On retrouve aujourd'hui un nouveau binôme tuteur alternant du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers à Saint-Étienne. Alors d'après vous, quelles sont les clés de la réussite du binôme tuteur alternant au sein de l'entreprise et de la formation ? Ça me permet d'avoir de l'expérience et aussi de rentrer dans le monde du travail. Voilà. Et vous, pour vous, c'est quoi ? Eh ben, pour moi, c'est la satisfaction d'emmener un jeune et de lui donner toutes les clés pour réussir plus tard, lui montrer la vision entreprise de ce qu'elle étudie en formation et de m'apporter, moi, de mon côté, une vision neuve sur mes activités. On retrouve maintenant deux alternants du CNAM qui nous expliquent comment bâtir une relation de confiance et progresser avec leur tuteur. Je vois par exemple avec mes collègues, en fait, on est tous pareils, on fait vraiment tous les mêmes tâches. Et quand il y a une grosse tâche ou quelque chose qui fonctionne mal ou pas bien, on peut me la donner, autant qu'on peut la donner à mon collègue qui est là depuis 5 ans par exemple. C'est exactement pareil. Après, la seule différence, c'est que quand justement je vais peut-être pas savoir quelque chose, ils vont être beaucoup plus indulgents avec moi parce que je viens d'arriver. Donc justement, ça va être cette petite différence là, mais sinon on est vraiment comme des salariés en temps normal. Plus d'infos CNAM-auvergne-rhône-alpes.fr.